active. Salutations, chers amis, amis internautes branchés connectés sur www.congodialogue.com. Moi, c'est Josué Bolloir. L'International, dans votre émission Espace Dialogue, là où la réflexion et la connaissance rencontrent. En direct de Cape Town, très ravi d'avoir à mes côtés. Naluka est tellement trop. Kopumbukande, qui est trop. Ma consoeur Anita Tako Ochudi, que je reçois aujourd'hui en direct de Cape Town, spécialement dans ce beau cadre, hein, bien logé, bien accueilli. Hein. Bienvenue d'abord, ma consoeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va. En forme. Très en forme. Alors, c'est Ganada Nima, je lui dis hé, ce talier, besoin du matin qu'ils aillent changer. Ça va goûter. Encore une fois, félicitations. Combien? 5 ans déjà? 7 ans? De mariage? Oui. 7 ans de mariage. J'aurai 7 ans le 29 décembre. Voilà. 7 ans avec mon mari Jean-Luc Otoud. Pour avant que tu aies 4, pour ton beau sang déjà. Bon, on en anglais. Happy 7th anniversary to you and your husband. Thank you very much. We are so proud of you. Quand est-ce que tu es là? 7 ans, exactement. 7 ans de mariage. Voilà, on ne parle pas mariage, mais nous voulons juste vous briefer parce que je sais que aligner papa au tu dis trop. Salutations à toi, papa. Tu dis, nous sommes avec ta femme ici, notre consoeur ici, effectivement. Azana Kepton, peut-être vous voulez vous demander est-ce qu'Azakuna, Azapenzakuna, Ebika confiance au Pesakaï. Voilà, je dis merci à Dani Maj, Bilili. Salutations à Yongoana, toujours Nakati attend. Dans les suites, toujours de vous informer, je suis avec Anita Tako. On vous a juste invité spécialement dans le cadre du concert de Kofi Olomide. Kofi Olomide à Kepton. Aujourd'hui, c'est jeudi. Yes. Il devait livrer son concert. Mais on attend, c'est presque 18h, 19h qu'il fait la bande. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Kofi Olomide, mon père, on n'est pas venu. Mm-hmm. Il n'est pas venu, voilà. Donc, il n'y a pas concert aujourd'hui, jeudi, parce que Kofi Olomide n'est pas arrivé en Afrique du Sud. Voilà. Mille et une questions que les gens se posent. Qu'est-ce qui ne va pas? Poso. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'on a un peu des audios, ça et là, les gens parlent sans pour autant venir sur le terrain pour puiser des informations, comme nous faisons aujourd'hui. Nous sommes juste à quelques mètres là où le concert devait se passer. D'abord, j'aimerais remercier notre producteur, M. Nozi Mwamba, ainsi que maman Eugénie Mwamba, qui nous ont donné la confiance de nous donner du travail, de parler sur Kofi Olomide. J'en profite aussi pour remercier M. Kaya, qui est le producteur de Kofi Olomide, qui a fait la même chose, de nous donner confiance. Nous venons de Johannesburg, Pretoria, jusqu'ici. Comme vous le voyez, nous sommes logés derrière M. Kaya. Vraiment, merci à cet homme. Avec son cœur, merci beaucoup, exactement. Si je peux parler de Kofi Olomide, pourquoi il n'est pas venu? José, moi, je n'aime pas les ondes dites. Je n'aime pas spéculation. Je n'aime pas Baloba qui. Bazoloba. Moi, ce que je dis, j'ai été interviewé le matin par un autre confrère, Fiston Pelende. C'est presque la même question. Il y a eu d'autres personnes, pas lobby, je suis devenue fanatique à Kofi Olomide. J'aimerais éclaircir une chose. Beaucoup de gens babimi na média lelo, beaucoup de gens bakomi ba bloko ba combattant et yaki avec tout le respect que nous avons à Bango. Mutuna mutosa musala na, mais j'aimerais dire ce que bengami journaliste, chroniqueur, présentatrice, il faut savoir puiser les informations à la source. Surtout. Pour les diffuser. Ne prends pas ce que les gens disent, bah, au loba. Ne prends pas ce que les autres, bah, loba, qui ont, quand ils sont en au salé, en information, médias, messages. Moi, hier, avec Dani Mash, mon caméraman, le producteur Dani Mash, vous savez que lui, il fait ses images aussi. Nous étions chez Mesekaya. On est parti parce qu'il nous a appelé. C'était sur l'organisation de tout ce qui allait se passer avec Kofi Olomide. On a parlé, on est monté avec lui parce que son restaurant est en bas et la boîte au-dessus. On est monté, on faisait des calculs. Il y avait un Congolais, je ne connais pas son nom, mais s'il aura l'occasion de suivre ces images, il va le témoigner. Qui
faisait des travaux. C'est lui qui a arrangé la boîte, les installations. Mais okay. C'est un Congolais. En tout cas, on parlait. Même lorsqu'on parlait avec les Kaya, lui aussi, il intervenait. On s'est donné des idées. Oui. On a tout vu comment le concert allait se dérouler. Batoundé, Nibako Telema, ba place Motema. En fait, on estimait. Doit y avoir la mise en place, en fait. Yes. Exactement. Mm. Au-dessus, on devait arranger tout aujourd'hui. Donc, tout était déjà prêt. Il y a même une équipe d'audiovisuel, de blancs professionnels. Professionnels. Ils étaient là pour étudier aussi, comment poser la caméra. Exactement. Il y a eu aussi, mais ce cas, il y avait eu aussi la police, des bodyguards blancs qui devaient être derrière Kofi Olomide, Dani Imagela. On a tout organisé en descendant pour qu'on puisse manger, en parlant, en continuant à parler avec les producteurs, M. Kaya. Mm-hmm. C'est à partir de là qu'il y a eu un coup de fil. M. Kaya n'est compris. Il faisait allô, allô, et il était avec son manager, son ami manager, Jojo. Et ils ont eu cet appel venant de Kofi Olomide Gomopao, qui avait un problème à l'immigration. Okay. Ils nous ont dit, on arrive. Ils sont partis. Mm. Moi, je fais que diffuser l'information reçue par le producteur. Voilà. Kofi a eu un problème de ovacité. Là, je parle de hier. Kofi a eu un problème de ovacité. Lorsqu'ils sont partis, ça a pris beaucoup de temps. Et M. Jojo, ils sont partis, on m'a fait, ils ont vérifié réellement. Kofi avait ces problèmes-là. Mais c'est Jojo a même fait un audio qu'ils nous ont envoyé pour dire que le concert de Kofi est annulé. Il repousse ça un peu plus tard. Okay. Je ne donnerai pas les détails de ce. Il repousse ça un peu plus tard, mais le concert pour aujourd'hui pour cette et demain est annulé. Moi et Dani, ils ont demandé qu'on puisse les attendre. Okay. On était là, il y avait des Congolais dehors, j'ai vu des Congolais, il y avait un groupe de journalistes. Il y avait quand même une mobilisation de Congolais qui attendaient. Qui attendaient, il y avait des maîtres qui sont venus pour encadrer Kofi, les Congolais. Oui. On a eu le temps de faire quelques interviews, des réactions émotionnelles, parce que c'était vraiment choquant. Oui. On attendait grand mot pas au pas tout le monde pour venir. Ils ne sont pas venus. Moi, José, je ne peux pas venir passer à la télé ou à la radio pour commencer à raconter des choses que les gens racontent ou que je ne connais pas. Je ne mérite pas que ma réputation aujourd'hui ça soit salie par des... Même lui-même Kaya, même lui-même Kofi Olomide, ou les gens qui connaissent ma crédibilité, lorsqu'ils vont apprendre la vérité par les producteurs, parce qu'il a des amis. Oui. Et moi, je passe à la télé pour raconter des bobards. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils vont plus me considérer. Bien sûr. Je fais que dire la vérité, c'est que j'aurais écouté chez M. Kaya hier. Et ce matin, Kofi Olomide nous a envoyé un voice en nous disant que le problème qu'il a eu hier était un problème d'immigration. C'était un problème que l'ambassade de l'Afrique du Sud a dit. Il avait le overstay. José, nous vivons dans ces pays. Nous avons parlé avec l'un des membres de l'ambassade pour confirmer est-ce que le overstay Moutou à côté, parce qu'à l'époque, ils avaient dit Moutou à côté, en Afrique du Sud, dans la commune d'immigration, Alexis Bassejou, il faut qu'il paye. Mais maintenant, il changea. Et comment Soki moto alekisi overstay tangazo zonga bako zwa kombo na ba blacklist batindi yango na ba ambassade na bango nyonso batindi place akoki koleka ke azana overstay akoko kota Afrique du Sud et comment bongo. Donc c'est ce qui s'est passé avec Kofi Olomide. Lui il a dit c'était un problème de overstay. Bisoto zu message on a te reporté que c'était un message comme le monsieur Kaya le producteur a dit c'était un problème de overstay. Il y a eu un ajout qui il y avait un problème de ce qui s'est passé il y a longtemps. Dans le dossier où ils ont fait sortir. Il y a eu deux amis de Dani, on a parlé avec le musicien de Kofi Olomide. Il y a eu 25 ou 24, si je ne me trompe pas, visa qui est sorti. Il y avait un petit problème de deux personnes, il n'y avait pas leur visa qui était sorti. Donc, moi, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Je veux que dire que Kofi Olomide n'est pas entré en Afrique du Sud pour la raison d'immigration, cette fois-ci. C'est ce qu'ils ont donné comme raison. C'est ce qu'ils ont donné comme raison par rapport aux spéculations qui circulent dans des réseaux sociaux. Comme vous savez, chers amis internautes, voilà pourquoi c'est l'une des raisons que Boloa descend sur le terrain pour puiser des informations
à la source. La source, c'est Annie Tatakou avec son équipe, accompagnée d'une image, Bilili, en causant avec le producteur. Parce que bon, souvent, on a un producteur dans la musique. Beaucoup de pété, oui, bien pété, ou rara na combo. Tu parles n'importe quoi. Et puis, j'ai vu beaucoup qui étaient là hier, à ma grande surprise, bah, le baquet, basant l'information à la source. L'information à la source, ça veut dire Kaya. Oui. Mais Kaya, nous, on était là de 12h à 22h40, je crois 23h. Oui. Kaya n'est plus revenu. Moi, je parlais avec Kaya au téléphone, qui a dit comment ça se passe là-bas. Anita, j'étais fatiguée, je dormais un peu. Oh, ouais, Kaya un n'est peu pas revenu. Mais je ne comprends pas comment les Congolais, baso spéculer. C'est Kaya qui est revenu à 1h du matin. Bazela qui pourrait savoir qu'il y avait ça contraire à ce qu'il nous a dit. Il a appelé aujourd'hui, on a parlé avec lui plus de 10 à 15 minutes pour encore expliquer la même situation. Ouais. Mais Kaya a arrangé ça. Et Kaya ne plaint pas le problème de Kofi Olomide. Mais Moutou Abimi Simbo Mounaï José. Et j'aimerais aussi dire quelque chose, ça c'est une parenthèse. Les journalistes Oyo a télémela Makamba Kofi Olomide Lokola Nita Tako Azate. C'était en 2000 combien d'animages? C'était à l'époque. Oh, 2013-2014, lorsque Chetemba Kaembe a fait venir Kofi Olomide, il y a eu un problème, José, que Kofi ayaté Chetemba Saba dépense quand nous avons Kaya. Le problème de Chetemba et de Kofi Olomide est très différent. Okay. Chetemba avait réclamé son argent, pas mon que Kofi Olomide a salé le mot, il a dépensé, Chetemba a réclamé ça au micro. Voilà. Et nous, on a parlé avec Kofi Olomide. Idée dans le micro en tant que bata média, tu sais, ma commentaire, on a imposé. Mais le problème de Kaya, ils défendent Kofi Olomide parce que Kaya est allé jusqu'à la source, à Omafeuse, pour savoir confirmer que Kofi a un problème. Oui. L'homme a fait à vérifier, à part M. Kaya, il y a un autre, quelqu'un qui est infligé. M. Kaya dit que Kofi a un problème au niveau de l'homme a fait. Il a envoyé la conversation de la dame qui est à l'homme a fait, qui a répondu, je peux même te le montrer, que le même problème qu'on accusait Kofi résiste. Alors le monsieur Kaya, ils ont montré de preuves que dans ces cas-là, de viol, il paraît-il que Kofi était innocent. Il y a eu des preuves là où Kofi a samba va faire ça, le résultat a pèsé en haut. Voilà. Dans la zone d'enquête, on a quoi qu'on contredire Malobate, et ça te que Ngana Bimi n'a commis porte-parole, n'a porte-parole à Kofi Olomide, n'a porte-parole à monsieur Kaya. Monsieur Kaya, c'est un Congolais qui se respecte, un grand monsieur qu'on doit respecter, un grand producteur à Tiamambo, on a Jepo Sepel ça, bah Congolais et ça la business, pas congolais, pas ça n'est pas Kaya. Qui veut dire ça peut être mon frère, ça peut être ton frère. Bien sûr. Ceux qui s'y prient dans une église, dit mais Kokende, s'il est père d'une famille ou grand frère de quelqu'un, ça veut dire moi salaire à Zoka qu'on partageait. Donc, dans ce sens-là que moi j'ai dit, aimons-nous vivants, voilà. Soyons ensemble, Kofi Azam Moutou, Azam n'a pas erreur, Naye, Bissonio Sondet Ovandia Moutaza parfait, Azatik. C'est comme ça, c'était mon message. Batouba interprété en gros, José, dans la zone côté la Kofi Olomide, mais n'importe quoi. En fait, s'il faut que la Kofi Olomide sur base de quoi par rapport à quoi yo Kofi Olomide boza na ndenge ni. Ça veut dire que n'importe la Kofi Olomide pendant le canal l'Obama là moi Kofi Olomide il a fait mal. José, tu es de médias, Dani Image, tu es de médias. Dites-moi, qu'est-ce que Kofi Olomide dans cette affaire a fait? Kofi Olomide a roulé Kaya na mbongo et puis Kaya Fandi na ye na ba dépense nyo so Kaya Fandi. Kofi Olomide a loué, dribblé, mais c'est nos imouamba. Mais c'est nos imouamba, on n'en parle même pas. Bafani, dans moi, sinon. Et puis une parenthèse que nous devons ouvrir avec vous, Anita, tous ceux qui nous suivent, les amis, vous avez branché, connecté. Bah, vraie vérité, pourquoi qu'on s'est rébétamité, je crois, c'est ici. Les gens peut-être n'ont pas eu le temps, il y a Kosolana, Nitata, Kobozalem, Soumon, Namusika. Et puis nous étions là où Tozaïk Nakati, personnellement, nous sommes entrés avec Nitata. On s'est salué avec Kaya, il était un peu pris le four au moulin. Et puis une parenthèse a insisté que le Malobaki, si ce n'était pas l'amour de la musique de Kofi Olomide, et l'amour de Kofi Olomide en tant que compatriote, et puis là, les soucis que la culture congolaise est zone en Akati, Afrique du Sud, Awa, il a déjà abandonné Bandakala. Parce que Barata qui vole d'abord. Exactement. Lundi, je crois, ou mardi, il fallait bien écouter, n'est-ce pas? C'est comme ça que je dis que M. Kaya, on lui doit du respect.
tout n'est pas à dévoiler à la télévision, oui. Tout n'est pas bon à dire, mais c'est quand il y a un jeune Congolais qui fait déjà ce qu'il fait là, c'est déjà beaucoup. Kofi a raté le vol le lundi, mais c'était normalement un vol de SAA, ils ne sont pas venus, mais ce Kaya s'est démerdé de payer un port. Le vol, ce qu'on appelle le non-show, il devait maintenant réacheter les billets à Rwandair pour que l'équipe de Kofi Olomide, qu'ils arrivent pour respecter, honorer les clients qui ont acheté leurs billets. Ouais. Mais malheureusement, Kofi Olomide n'a pas eu cette opportunité d'entrer en Afrique du Sud. Du côté de Kofi Olomide, hier, pourquoi je dis ça? Hier, il nous a envoyé un message que lui-même confirme qu'il vient en Afrique du Sud, qu'il est en train de même lancer un message en anglais. Qu'est-ce que nous, on va dire? Qui va venir? Qui va venir? Ouais. Qui suis-je, moi, pour contredire la bouche de quelqu'un, Bouloua? Qui suis-je, moi, pour contredire les idées de quelqu'un? Je ne peux pas faire ça. Moi, je peux que dire ce que je vois. Moi, je peux que dire, lorsque nous parlons d'être journaliste, et lorsque vous parlez, j'entends, journaliste, lorsque tu dis tu es professionnel, lorsque tu dis tu es international, lorsque tu dis même tout court que tu es journaliste, essaye un peu de revoir Naba déontologie. Voilà. Il y a Moussala Nabisso réellement. C'est premièrement d'abord l'information vraie. Voilà. D'aller jusqu'à la source pour Oyeba. Ce qui est loco na loba. Est-ce que ça fondé? Et puis mambo na loba. Conséquence nango za la ningini. Est-ce que ça vérité? Parce que dire, divulguer, prendre les histoires au ramasser awa Nayokaki Dani Maja Lobaki Nayokaki Josa Lobaki. Donc tu fais des émissions sur Nayokaki. Nayokaki. Oh yoko ta prison hein. Quel est souvent basé à Mote, Bakoni Bakroni Fanta. Basé à Mote, il se donne des noms, bah association, tout ça, et puis en réalité il n'y a rien. Attention. Parce que tu es en anglais allegation. You are testifying something you don't approve. Vous avez évidence dans Mote au lobby ango. Ce que ceux qui ça l'impacte et baby si bah auditeur tout bah téléspectateur nayo. Maintenant Mote yo lobby lui on a bien porté plainte. Exactement. Moi j'ai vu des gens dehors. Un moment où on était avec Kaya Bandoz et la Kaya Bélé Libanda. J'ai vu, je n'ai pas vu place ma combattant parce que mon boulot à Cape Town. Je n'ai pas vu mon combattant, mon croyant que l'Obama Bélé Bossoya ni na Kaya. J'étais là, dans mon yangote, il y avait deux maîtres là. Dans mon yangote, pourquoi je vais aller prendre ma combattant? J'aurais appris que, et ma combattant, mon basse qui que, ma commis deux équipes et tout ça, ça c'est eux. Que quand il a libéré de l'argent, Nayoki ba voice abatu waneza bango. Baza bande konamso congolais ba ko bongisa bango na bango. Voilà. Baza ensemble baza bande konamso, mais pour ce qui concerne Kofi Olomide. En tout cas, dans la version sous José, on a inventé que Kofi Olomide a été pour na makamba politique. J'ai encore appris ça. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que j'allais un peu te demander. Est-ce que vous voyez quand même qu'ils ont dit que Kofi a été parce que Azana moi va rendre mon avatar FCC. Quand le bisou qui Kofi a coupé ta concert awa, les locaux là, les locaux là cash. Azo undermine ba décision ya ba FCC tout ça, donc on a politisé la kofiologie, tu vois, on a kofiolomidé, on a politisé, voilà. J'ai des produits ici, je crois que tout le monde on va mettre ça dans l'anda kofiolomidé. Il est parti en Europe, donc va okanga kofiolomidé déployé en Afrique du Sud. Non, c'est ce qui a été dit, c'est la chose qui n'est pas vraie. Kofiolomidé déployé en Afrique du Sud parce qu'il a été en Europe. À Tamboli Europe ou à Tamboli Tamboli. Boyebi, c'est que c'est passé là-bas. Quand on a fait le midi, c'était pour à côté en Afrique du Sud. À côté un concert et pas y a Kaya. Et puis à côté un concert et pas y a Vienne aux Imamba. Donc, ils ont le moko, je ne sais pas. Et puis, miwapi, bon. Bah, peut-être bazar va preuve dans nous, peut-être, mais nous, ce que nous avons vu, voilà. Et chez M. Kaya qui nous a dit, on était là, dans ma bengi, dans laquelle on m'a fait, il nous a dit, balobi, boué, boué. Et de deux, Tomoni preuve, le sous-sous, notre ami là, qui est influent dans Mboka Oyo, qui a parlé à sa femme, moi, Sinaye, a atteint voix, cité, message.
au bas au converse c'est une année moninga bobaline à zotounaï boyfriend à zotounaï ma question boye pourquoi boy pour abimisi liste moi c'est un atindi c'est un problème au yaza il y a Afrique du Sud awa bon Anita, avant que je vous libère, je sais que moi, ma fatigue, ma stress, c'est Ali, et nous compatissons, si vous pouvez utiliser le terme compatir, à notre producteur Kaya Moucha. D'abord, la salle en question, sur le tali, le billet d'abord, ils ont dépensé. Koyana Bino, même dans le cas de la Cape Town, Awa, logement Nabino. Et puis, le Bouka qui même peut place que Kofilomi de Sengala Vanda, tout sa sécurité, naïe, ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'argent. Donc, Kaya avait bien dit que si on a mis un bill, déjà on a dépensé. Hein, donc, ce n'est pas important. Sinon, tu vas le bagazap et fier. Tu vois, nous ne voulons pas que Boto mentionne mon temps au Kaya Bissibi. Pour la dépense déjà sali kaka kofelomi de kaka Cape Town ya pamba pour un concert à deux jours on a parce qu'il fallait bêta deux jours nous voulons pas to disclose comme on dit en anglais bah montant des années encore importantes et juste tout long un peu que l'on a moins mémoire ya ba compatriotes tout en bas téléspectateurs bah yuka qui bordure pandami yuka kofia le bas toujours que non on le coûte matagamba vérité ya kana malais petit à petit exactement avant que je vous libère maintenant. Quelqu'un peut poser la question, mais est-ce que Kofi a quitté Kazana ou Vaste Iwana? Pourquoi dans la dernière minute, et ça n'a pas que jour qu'il y a un concert, deux semaines en concert, a fait toi rencontrer la difficulté? Bon, la question que je vais, là, je vais répondre, parce que souvent, Kofi Olomide à papa, à Zamkolo, la question là, réellement, est réservée à Yemoko. Il nous a dit qu'il avait un problème de ovasté. Et Kofi Olomide parle l'anglais. Aébi Kolobanglais. Qui veut dire. Alors va bien. Tant Babande Kosolana Moutouana. Peut-être qu'il y a eu que Ozu ovasté. Peut-être qu'ils n'ont pas dit. Ce qui est que l'empreinte de José, ils n'ont pas dit que. Il faut qu'il revienne ici après 5 ans. Ok. Tout le monde a kabat bakina tenant lieu na kutani une occasion je crois 2 ou 3 personnes ba yebisinga que tant bazo kende ba tuniye ba soki ba cancel ngunda na ye andimi donc ndenge ka bima ki na ngunda na ba comprendre ba tan na système kaza na ngunda ba blacklist ye ba zungunda na ba cancel qui veut dire il faut akota awa après 5 ans c'est qu'on a kaya monsieur Kofi Olomide to yebite ce qui a yebaki ou bien peut-être que monsieur Kofi Olomide a yebaki te que il faut ça la 5 ans pour akota na mboka oyo yango peut-être problème et fandi wana. OK. À l'époque net na yebi si obi tant ou yé azwa ki overstay ce que ça qui 2 ans ce que ça une année ce que ça 8 mois ce que ça 3 ans peut-être lui penser que tant wa ko zonga il faut qu'on paye. Oh yeah. N'aéroport, bah fouta ka José. Je crois en 2009, moi je suis rentré au pays. Je suis arrivé en 2008. En 2009, moi, je travaillais déjà à la RTGA ici. Je suis parti pour les vacances. Oui. Et je devais sortir avec le tenant lieu pour revenir avec le visa normal que j'utilisais à l'époque. Oui. J'utilisais un visa normal d'une année. Okay. Je me rappelle que lorsqu'ils ont vu que j'avais dépassé les séjours dans mon passeport, que je rentrais, ils m'ont fait les overstay. À cette époque-là, je crois que j'avais payé dans de 1900 quelque chose. Donc, ils ne m'ont pas posé de problème. Je suis arrivé à lorsque ça reflétait que j'avais les overstay, j'ai payé, ils m'ont donné le reçu, ils m'ont libéré. Mais aujourd'hui, ça fait... Non, ils ont changé le système d'immigration. Ils ont changé. Donc, si on te donne 30 jours ou 25 jours, rassure-toi que le 24e jour, tu quittes l'Afrique du Sud. Si on te donne 2 mois, rassure-toi qu'avant 2 mois, tu dois quitter le pays Afrique du Sud. S'il arriverait qu'on te donne 25 jours comme étant visiteur, et pendant, bien sûr que nous sommes pendant les vacances, et que tu dis, ah, on a l'Eli Afrique du Sud, on a l'Eli Cape Town, on l'est ici 2 jours, même juste une journée. Même juste une dès journée. Que tu arrives à l'aéroport, on te fait signer ça. Donc, on te dit, tu vas revenir en Afrique du Sud qu'après 5 ans. Donc, tu ne vas plus payer l'argent comme c'était avant. C'est après 5 ans. Donc, comme vous avez dit, peut-être que Kofi Olomide aurait pu peut-être penser que le système a calisé caca. Voilà. Le concert de Kofi Olomide est réellement annulé. Nessera Kofi ne viendra plus en Afrique du Sud. Maintenant, en tant que journaliste. Non, non, Kofi va revenir. Voilà, ce que je voulais demander. Est-ce que. Bon, c'est cancellé.
Est-ce que c'est postponed? Yeah, comme... c'est postponed. Ok, on a reporté ça voilà, à une date ultérieure. Selon son producteur, il a même donné des dates, mais on ne peut pas encore dévoiler. Ouais, ouais. Il a donné des dates que Koffi Olomide, si tout va bien, il peut revenir. Parce qu'avec toutes les dépenses qu'il a faites, non, ça peut pas quand c'est même notre aller frère, comme ça. Ça peut pas aller comme ça. Ils ont fait un agreement, je crois, à leur niveau. Akoya, Lissousou, Kobeta, Awa, Pona, Kaya a récupéré au moins Baninina et Salimaki. Mais pour le champ de billets, en tout cas, je c'est confirmé que depuis hier, à notre présence, le manager sud-africain, là, il était en train déjà de rembourser, des billets de gens. Bien sûr, toute personne qui m'irait peut-être, c'est l'embon en aïe. Bon, là, je ne sais pas si c'était tout le monde, mais en tout cas, selon M. Kaya, dit qu'ils ont libéré les billets à Batou, qui déjà donc parce qu'il a vu Moutoumoura Komaki producteur concert et bétamité zone sa bambonga bateau alors il a été au courant à répondre à Kaloubi Baïb Samoutouana Kembongo lui n'aime pas de problème qui se dérange même pas maman Bongo il n'est même pas là Bongo et si Zonga qui donc voilà. Je suis avec Anita Tako. Nous sommes presque à la fin de notre interview avec Anita Tako ici à Cape Town. Nous sommes juste à 2 minutes, même jusqu'à 30 secondes de là où le concert devait avoir lieu. Peut-être nous allons descendre et vous faire voir un peu l'endroit en question pour voir que nous sommes tous à la Gipenawana. Bisikani, le concert est signé à Betama. Parce que le climat est un peu bizarre là de Cape Town. On n'a pas voulu se refroidir. D'ailleurs, tout se freeze comme on dit. Tout bon, absolument, ça, l'émission Libana parce qu'on peut payer ma cache et puis ma lille. Et quand on pas, nous ne voulons pas. Voilà, Anita Tako, votre mot de la fin peut-être pour cette semaine, pour cet épisode par rapport à nous on était là qui bon, ils t'ont acculé des mots, tout ça, porte-parole, tout ça, se défendre, ainsi de suite. Finalement, l'idée, à Zalanega, à Ningwana aussi, c'est 3-4e fois qu'on a cancellé. À Salimbo, peut-être producteur, il y en a qui n'a été, ainsi de suite. D'ailleurs, producteur, en gros, à Zana, occurrence politique, à Lingakazon, ça concerne tout ça. D'un côté, bah, combattre, bah, le bien, à Tolobagini, à Beta, mais parce que tu as la qui est belle, l'Ibosa, qu'on salle, voilà, ton Kangag, écoute, moi, ils attendent, moi, ton bébé, qui m'a qu'elle, l'Oana, confiant, voyant, parce que bah, combattre, bah, t'es moutou, 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 tout ça. Il y a tant de choses qui se sont dites, je ne sais pas s'il faut Samarazou résumer un peu avant qu'elle en fait, je n'ai pas vu le combattant, pendant que j'étais avec, je n'ai pas vu le combattant. Il y a Kosa Mouboulou, le Bosaka, il y a Nini, il y a The One Nightclub de M. Kaya. Namona qui bangote, Namona qui batou. Un moment, je parlais au téléphone avec José, ou à Région de Bissot. J'ai vu Batba Télémine de Bazo expliquer, on a Batba Télémine, il y a un Congolais, Bazo Zela. Et puis quand ta sécurité, c'est très impeccable. Très impeccable. C'est ce que je vais demander seulement à Batunyo Sobozi opportunité à Yakulanda Biso à Biso Bande Konabino Todosa Moussala et Media. Et on a beaucoup de l'expérience dans ce pays. Moi, je peux parler aujourd'hui, je crois, 19 ans dans le média. J'ai commencé les médias, je n'étais même pas encore à l'université. Moi, j'étais encadrée par l'antenne A. Je suis un fruit de l'antenne A de Jing Nawej, de John Baleke. Je suis un fruit que bah encadré, bah bimisi, il a salé langue classe. Je suis allé à la FTNC, bah émission, tu répètes donc. Ça fait faire beaucoup d'années en Afrique du Sud. Cette année, 10 ans que je fais le métier. On comprenait qu'on a un peu notre façon. Voilà. On ne peut pas te dire qu'il y a une formation pour accepter ça. Information boutou boutou. Parce que avec le nom de mon mari que je porte sur moi, avec le nom d'abord, avec le nom du Seigneur que je porte dans notre langue, en tant que chrétien, et le nom de mon mari, on a l'ati, na koki ko sa musala nanga c'est mon droiture pour na nzamba pambola ngai. Voilà. Voilà, merci beaucoup Anita Tako Tudi. Merci pour votre disponibilité. C'est pas donné à tout le monde. Moi, bah, salut à ceux-là, en tout cas, quand même. Les pierres, ça ne manque pas quand même. Merci, merci. Voilà. J'ai ma belle famille ici. J'ai ma belle famille, j'ai maman Bijou.
Maman Bijou, tu dis, j'ai son mari, papa Patrick Kadima, ma belle-sœur l'a dit, et j'ai aussi mon beau-frère qui vient d'arriver, je suis dans le cadre tour Noël Otudi. Je salue aussi Bananga et moi, Nanga le Bosso, que je peux dire ma petite sœur, qui était avec moi à la maison, que j'ai fait marier. Je la salue, Madame Ngimbi aujourd'hui. Passi Ngimbi, na mobali na ekomo na papi Ngimbi, na pesi bambote, na pesi patunion, soit Cape Town, na pesi voye na William Bote, na pesi Dani Major. Merci à toi et encore une fois de plus, merci beaucoup Monsieur Kaya, merci beaucoup à Monsieur Jojo qui est le proche de Monsieur Kaya et merci beaucoup à Monsieur Benjamin, ou à Zote Mana Ming, na porte, à la chef à la sécurité, à Bato Yo, ya Bato Kaya, Bazan Edika. Bazar. Bien indiqué, bonne manière. Non. Bateau, bazar. En tout cas, merci à vous. On dit matin que la maison de Kaya. On dit matin que bazar va congolais. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, pour votre respect. Merci beaucoup pour votre considération. Nandetoye, awa, moutayambi, bina, tchebino, na ma place à bouillé. José, c'est pas beaucoup dans le restaurant. Naé, a pessi déjà ordre dans mon délai parce qu'il y a aussi des blancs. Dans mon belle va travailler. A pessi ordre tous ceux que bazar n'a pour ça comme là Rolia back in the car la singa non c'est pas donné à tout le monde en tout cas merci beaucoup monsieur Kaya une fois de plus et à votre équipe de One Night Club voilà merci aussi à vous encore une fois je vous remercie votre disponibilité ba mona ka na musika ba kutana epete ba sobe na epete ba pousani pe kutu te bandole ka banda wana biso ba tokoti to moni to solo ne to vandinye skolo moni to sobe na epete o bimi bando tie micro comme le ba n'importe quoi et ça so sonne on le dit pas pour minimiser les gens mais ça nous fait très mal hein? Nous voulons trop des associations même ça les osala maté ceux qui ngani association des pros des internationaux tout ça mais logo ezati tout ce que ba bloko wana tout ça tu vois ce que moi j'ai adopté c'est le plus le système américains, pratiques. Les Américains et puis les Sud-Africains sont plus pratiques. Mais nous, les Français, les Congolais, les Français, les papiers, les diplômes, les combos, les belés. Mais il y a des locaux exacts. Voilà pourquoi on nous maltraite. Mais vous avez vu, hein? Moi, j'étais étonné de voir M. Kayana Manomone à ma photo. Ah, c'est la première fois, Tokutana, on s'appelait, dans ma photo, je le. Non, un homme, en anglais on dit exceptional man, incredible man, and awesome man, il est très humble et quand tu dis que c'est la personne qui est le owner de cet endroit, mais il y a des gens qui ont été Corolla, mais talambangé belé vraiment. Mais il est simple. Sauf que c'est un homme qui a été un jean, un t-shirt, un voilà, très simple, très poli. Il est bête à moi, il griffe. Très poli, il vous parle. Il demande même votre avis. Il vous parle même si il y a une image qui est en train de se faire. Il y a une image qui est en train de se faire. Il y a une image qui donc un homme très simple et ce sont des gens qui ne peuvent quand même soutenir et puis encourager dans l'initiative à Bozoa. Il emploie voilà, au moins plus de 400-500 personnes, vraiment, nationalités différentes, tout ça. Captain, tous à l'ensemble au Congo, la vie se tombe à ma tante, tout le monde est quand même sur Congolais, moi, ça les loca bien, surtout, tous sa porte y est pour le coup, moi, Congo et Mata, tous à net, Nigérien, Nigérien, moi, j'étais étonné, José, nous sommes à la fin. Je m'excuse. Na kenda kosa musala, je travaillais un moment dans ma chaîne ya awa. OK. Alors là où je partais à Randberg travailler, je partais chaque jour. Biso toza l'écolo restaurant ma nigérien za nasé. Moi je dis bon, non ko ta ba restaurant, c'est moi fufu et moko. J'entraîne un restaurant ma nigérien chaque 12h30. Blé. Banguna banguna. Bana ya mama moko to luka to vanda to sangana poto sa mama minene na étranger place to zali juste 30 secondes un mot spécialement Kofi Olomide parce que c'était un être humain aussi
quand cela ne tienne, quel que soit Olingo Lingaeta, c'est d'abord congolais, parce que bah moment beau et sans des moments où on a posé qui tara c'est plus ça publiquement, mais est-ce que bah intercation tout ça, il peut être découragé, il s'est dit un peu, ah, est-ce qu'on a continué carrière moi tout ça, ah, est-ce que tu as un mot peut-être qui attend que maman peut lui soussou. Ah mais c'est Kofi Olomide, qu'est-ce que je, ce que je pourrais dire, il y a toute chose, il y a un début, il y a un fin. Donc il veut dire si Elokomoko et Salema fin en haut et qu'on aura qu'un jour. Naka ya overstay, ça va s'arranger. Naka bakoko loba bakisation makambakala, ça va s'arranger. À l'avenir, il faut ne pas faire ba hâte moko ou qu'on pèse lobby. Et vous avez conséquences dans vous subir un mois après. Il faut déjà que vous êtes un autre icône de notre pays. Il faut que vous en alignement moko oyo. Il faut que vous en angoti moko le 11 ans bako sepela. Peut-être à 100 ans, peut-être après 100 ans ou moko 11 ans bako sepela ko benga yo. En tout cas, biso to lobby na yo que cette histoire. Espérons que ça va s'arranger un jour. Voilà, cela m'amène à la fin de notre discussion, notre échange, notre analyse sur les cancellations, la cancellation du concert de Kofi Olomide ici à Cape Town, bien sûr en Afrique du Sud dans l'ensemble, bien sûr parce que même à Tanajubo, Robetate, parce qu'à côté de Robetapendeli, oui. Donc c'était prévu qu'à Beta jeudi, vendredi en Cape Town, et puis samedi à clôturer dimanche à Zonga, parce que normalement, Zalaki n'a moi, production, Moussous, au niveau, il y a Potokuna en Europe, mais quand cela ne tienne, concert Ezate, vraiment plein succès, nous sommes derrière vous, Kaya Moucha. Et courage encore, et nous soutenons votre courage, nous soutenons aussi votre vision, et voilà. Et merci à tout le monde. Bah, peut-être Bazak un peu dessus. Ah, il fallait bien, t'as même soit c'est là, Babilamba, cher, tout ça, tapage, fait un salam. Donc, mais dommage, vous gardez Babilamba, on ne sait jamais, peut-être l'année prochaine, 2020, peut-être 2020, l'emsou à Royal Isousou, pour ne soit pour savourer la bonne musique qui a RDC. Merci à Maman Francine de la Belgique à la Gramme, Belgique à Congo Dialogue. Merci aussi à Dani Image, merci à Jojo. Donc, bras droit, Pena et bras droit, Jojo, merci à toi. Très gentil, très poli. Donc, courage kaka et donc production ça la rend moi beaucoup tellement ba challenge moko boy et puis merci na ba téléspectateurs na ba fanatiques nyonso bazaki qui tellement nombreux libana ba qui ne pour ba se pela ba qui pour ba ça mon bouluté liboso ya salle biscane ko fer me de singal robeta donc par rapport ni boy bi o qui tote bazaki libana na ba combattant ba ya qui tout ça makamba ba combattant na ba résistant nde kara mama ni talobi wana za makamba na bon ba ko bon ça na nenge na bango et puis voilà un peu désordre moi salama kité tout calme na kata ville awa ya Cape Town lo mo mbule salama kité ba raison boyoki majeur eza immigration nde apekisi Kofi Olomide kota na kata Afrique du Sud. Restez branchés, abonnez-vous, merci moi sur Congo Dialogue, jusqu'à un prochain numéro, bye.